Voilà, ce soir, en fait, nous nous réunissons à l'occasion de deux événements importants. L'inauguration des nouveaux bâtiments de la Maison de la Laïcité et l'inauguration de l'exposition du photojournaliste Jean-Claude Avallo, qui est togolais, mais qui habite aussi la Louvière, donc qui est effectivement voisin de la Maison de la Laïcité, que nous avons découvert il y a peu de temps. Donc, nous sommes très heureux ce soir de pouvoir croiser nos deux publics, nos militants, nos bénévoles, les gens qui ont l'habitude de fréquenter la Maison de la Laïcité, et puis les gens qui suivent le travail de Jean-Claude Avallo. Et dès lundi, en fait, nous commençons un travail avec les écoles en animation dans le cadre de cette exposition où nous allons sensibiliser un peu les groupes de jeunes qui vont venir dès lundi. L'idée, c'est de travailler un petit peu sur les stéréotypes que les Européens ont parfois sur l'Afrique et donc de leur montrer au travers des photographies de Jean-Claude que cette Afrique, elle est plurielle, qu'elle est complexe, qu'elle est compliquée, mais qu'elle est effectivement assez loin des clichés que nous, Européens, pouvons véhiculer. Et donc, on ouvre une réflexion, on ouvre un chantier à ce sujet grâce à l'exposition de Jean-Claude Avallo. L'Afrique au pluriel, c'est juste pour montrer les faces multiples de l'Afrique et ça se résout juste au titre. Et j'aborde quatre thèmes dans cette exposition. Je parle du quotidien en Afrique, je parle de l'enfance parce que c'est une étape de ma vie qui m'a beaucoup marqué. Je parle également de la tradition parce que c'est clair qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus réinventer Internet et autres. La seule chose que nous, Africains, pouvons vendre aujourd'hui, c'est notre tradition. Et enfin, nous débouchons sur un quatrième thème qui est un peu l'éco-colère, un peu pas partout en Afrique. Je ne veux pas parler des manifestations, des frustrations qu'il y a un peu pas partout sur le continent. C'est une manière d'attirer l'attention des uns et des autres ici en Europe. Parce que vous le savez sans doute, sur les médias occidentaux aujourd'hui, on ne parle que des bobolas. Centrafrique, Ebola, Sierra Leone, voilà. Mais c'est quand même pour attirer l'attention des gens, pour leur dire, mais tenez, il n'y a pas que Ebola qui soit un mal en Afrique. Il y a quand même un dysfonctionnement entre les populations aujourd'hui et les pouvoirs. Donc, voilà. Plusieurs personnes me l'ont confirmé lors du vernissage. Car oui, ben, nous, on ne savait pas comment manifester aussi en Afrique. Tout ce qui est à l'étranger, j'ai pris pour vous. J'ai fait la connaissance de Jean-Claude ici, j'ai vu ses photos. Enfin, j'ai d'abord fait le tour des photos avant de rencontrer Jean-Claude. C'est quand même mieux de savoir de quoi on parle quand on se parle. Et je trouve qu'il y a vraiment des choses très intéressantes ici. Parce que je trouve que ces images sont vraiment intéressantes. En général, quand ici en Europe on voit des images d'Afrique, elles sont faites par des photographes européens, des photographes américains, voilà, européens-américains. Avoir la vision de quelqu'un du pays, sur son peuple, sur sa culture, sur ses conflits, sur ses luttes, c'est très intéressant. Je trouve qu'il y a vraiment des images qui sont très intéressantes et qui me parlent vraiment de cette Afrique qu'on connaît très peu ici. Hein, ici, on connaît l'Afrique parce qu'on nous parle de Centrafrique, on nous parle du Mali, on nous parle d'Ebola. Et Jean-Claude nous parle de manifestations, de luttes, de demandes de visa, de mariage, d'une vraie Afrique.
Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant, avec beaucoup de photos qui sont quand même de très grande qualité. Voilà. Avait rêvé de bâtir une association permettant de promouvoir des idéaux libres exaministes et d'accueillir les associations laïques qui existaient depuis de nombreuses années déjà sur le territoire de la Vienne. Notre maison est, selon l'expression en usage, une vitrine de la laïcité. Questionnement sur l'adéquation entre ces objectifs et ces actions. Une vitrine ouverte sur le monde dont la personnalité se construit également dans le débat, la confrontation et le partenariat avec d'autres, sans que cela veuille dire qu'elle remette en cause sa profonde identité de maison de la libre pensée. Elle inaugure aujourd'hui ce nouveau bâtiment. Et comme vous l'avez sans doute constaté, il ne s'agit pas de murs vides. Leurs mains sont déjà fournies grâce à l'exposition d'Afrique officielle du photojournaliste togolais et néanmoins luyérois, Jean-Claude Abalo. Je n'ai pas l'éloquence de tous ceux qui m'ont devancé. Plutôt que de vous souhaiter une bonne dégustation. Merci d'être là. Voilà. Alors, en ayant vu les photos de Jean-Claude chez moi à la maison, je suis tombé amoureux de cette photo-ci. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense qu'elle dégage une certaine amitié, un certain amour de la famille parce que moi-même, je me dis que c'est une famille
qui n'est pas dérangé d'être ensemble et voyager sur le même, presque une bicyclette. Et c'est la débrouillardise africaine, cette bonhomie, cette joie de vivre qu'on ne trouve pas chez des gens nantis et qui ne manque de rien ici en Occident. Et si ça peut donner l'exemple à nos enfants ici qui ont tout et qui ne veulent rien faire, ce serait vraiment magnifique. En Afrique de l'Ouest et plus singulièrement au Togo, une femme qui montre sa nudité symbolise le malheur. Donc, c'est des mères comme frustrées qui étaient descendues dans les rues, je crois que c'était en 2012 ou 2013, à Lomé pour revendiquer la libération de leurs enfants accusés injustement ou pas d'être des auteurs de l'incendie des marchés du Togo. Et elles étaient descendues dans les rues presque nues pour crier leur colère. Et une femme qui se dénude ou qui montre ses seins et pour faire des paroles, pas incantatoires, mais des paroles négatives à l'endroit de son enfant, par exemple, bien sûr, cet enfant ne sera plus, ne sera plus positif, ne sera plus positif. Voilà, donc c'est un peu pour dire qu'il y a des choses qui se passent chez nous que d'autres ne comprennent pas ici ou que d'autres ne savent pas. Et c'est vrai qu'ils ne le savent pas. Et voilà, les gens étaient un peu étonnés qu'il y a encore de cette pratique. Je suis venu donc ce soir à la Louvière, plus précisément à la maison de la cité, pour prendre part au vernissage de l'exposition photo organisée par le confrère et compatriote Jean-Claude Abalo. Il faut dire que j'ai été épaté par la variété perçue sur les images exposées. Et ça dénote que l'Afrique vraiment est un continent pluriel. Pluriel en ce sens qu'il y a un peu de tout au quotidien dans les 54 pays qui composent ce continent. Et il faut dire que j'ai vu des photos où des jeunes essayent de réclamer des profs parce qu'ils ont besoin d'éducation. Il y a des mamans qui éprouvent leur colère à la face du monde parce que leurs enfants ont été emprisonnés, ont été mis en prison pour des fautes qu'ils n'ont pas commises. Et j'ai également vu la joie de vivre sur certains villages, des photos présentées par le confrère Jean-Claude Abalo. Et en tout cas, je suis tout fier qu'il ait pu prendre cette initiative de présenter l'Afrique ici en Belgique, l'Afrique dans cette Belgique qui se veut une société multiculturelle. Nous, à l'époque, on était entassés dans les salles de classe. Hein. On avoisinait même la centaine et plus. Et moi, je me dis, pour qu'une éducation soit une éducation parfaite, il faut quand même un nombre limité pour que tout le monde puisse bien suivre les cours. Donc déjà que ceux qui sont dans la salle ont du mal à suivre, et là d'autres sont en dehors de la classe, ça cause problème. Or, chaque fois, on se dit que
que l'âge jeunesse où oui, la jeunesse où les comment, que les jeunes, les peu, nos tout petits sont l'avenir de demain. Donc juste je veux en tout cas je veux juste dire attendez ou faites attention si ceux-là que nous voulons qu'ils soient l'élite de demain se retrouvent derrière les clostras pour suivre les cours, c'est qu'il y a un problème quoi, qu'il faut remédier à ça. Donc derrière chaque image, nous essayons quand même de passer un même message et d'attirer l'attention des uns et des autres sur le fait de société qui nous pénalise. D'abord, quand on accepte de venir, c'est qu'on accepte de ne pas partir. Quand on accepte de naître aussi, le jour où on est quand même prêt pour mourir. Donc, juste pour dire que c'est d'abord une passion. C'est quand même difficile sur le terrain de se mettre soit du côté des manifestants, des profondeurs ou de la police. Vous cherchez juste le juste équilibre pour ne pas frustrer et qui que ce soit. C'est la même démarche que j'ai suivie dans mon expo. Par rapport aux thématiques que j'ai véhiculées, c'est vrai. D'aucuns diront que je suis afro-pessimiste. Mais l'équilibre dans l'information m'oblige à dire ce qui est vrai. Je peux toutefois mettre un blackout total sur tout ce qui se fait de négatif chez nous et montrer aux autres que tout est rose chez nous. Or, si tu ne dis pas le mal que tu as, on ne saura pas te guérir. J'ai rencontré des gens lors du vernissage qui ont une association et une fondation qui veulent, en tout cas, ils le font déjà, qui veulent aider ou qui aident déjà des enfants désœuvrés. Et ces images les ont réconfortés plus pour aller très prochainement dans certains pays d'Afrique, y compris le Togo, où ils sont implantés. Et ils me demandaient déjà des contacts sur place pour voir comment est-ce qu'ils peuvent faire pour aller d'abord en aide aux enfants de rue et également voir un peu comment ils peuvent très bientôt aider dans la création d'autres écoles dans les campagnes pour aider un tant soit peu à diminuer le taux très élevé des élèves dans les salles de classe. Voilà, par rapport à l'une des photos où les élèves se retrouvent derrière les classes pour suivre les cours. C'est des photos qui sont prises dans la période de janvier 2007 à décembre 2013, je crois, en tout pour 6 ans de travail. J'ai eu la chance de parcourir un peu l'Afrique et c'est ce que j'ai pu apporter comme image de peu partout, à savoir le Tchad, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Burkina, un peu partout. Aujourd'hui, avec l'afflux des médias sociaux, tout le monde s'improvise journaliste et photographe. On assiste aussi à l'afflux de ces selfies. À chaque seconde, je ne peux pas dire le nombre de photos que les gens postent. Et c'est des photos qui dénoncent beaucoup de choses. Ici, par exemple, c'est juste montrer la tendance aujourd'hui en matière de transport. En matière de transport, c'est vrai que dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, le moyen de transport le plus pratique, c'est ça. Tu verras ça au Togo, au Bénin, un peu pas partout, au,
je l'ai également vu en Guinée. Il y a ça. Donc, quand les gens ont vu cette photo, ils ont dit oui, ça, c'est vraiment l'Afrique au pluriel. Parce que nous partageons un peu les mêmes valeurs, les mêmes manières de faire. Que ce soit en Gambie, au Mali, on partage quand même, on a quand même un centre d'intérêt. Je suis en train de travailler sur un autre projet déjà. Là maintenant, je compte faire l'inverse. L'inverse parce que les gens pensent peut-être qu'il n'y a pas de mendiants en Europe. J'ai tourné un peu, que ce soit à Barcelone où j'ai été, en Allemagne c'est moins, en Italie tu retrouves les mendiants à Djibouti. Et je crois même qu'il y a peut-être beaucoup plus de mendiants en Europe qu'en Afrique. Et c'est quelque chose que je me suis dit, waouh, il y a des choses qui se passent ici. J'exposerai peut-être ces photos ici qui ne diront peut-être pas grand-chose aux gens. Mais de l'autre côté, en Afrique, les gens se diront, ah bon, il y a aussi des mendiants en Europe. C'est montrer que l'herbe n'est pas plus verte qu'ailleurs. Donc je suis en train de travailler déjà sur ce projet et on verra bien ce que ça va donner. Donc il ne faut pas encore parcourir d'autres villes, d'autres pays européens. Peut-être bientôt on pourra faire un tour à Londres aussi. Donc on va voir s'il y a de cette manière. Aller un peu vers les pays de l'Est. Je crois que là-bas aussi, il y a pas de séjour en Roumanie. Ça, c'est le premier projet. Et il y a d'autres projets qu'on a que j'ai avec un collectif aussi. Donc, on exposera très bientôt à Amiens, en France. J'écris, je fais des photos, je tourne. Et je crois que mon dernier tournage, c'était en Italie, il y a quelques mois, où on a fait un sujet sur l'immigration. Vous n'êtes pas sans savoir que des bateaux échouent presque tous les jours. Parce que les médias n'en parlent pas. Il faut être là à Pantelleria ou à Lampedusa. À la prochaine. À très bientôt. Yeah. Merci. Na wanu tanano pona da je tumi na kona wea.